Le deck, si on nous laisse faire pendant 6 tours, il est trop fort. On est sur un Magikarp qui n'a pas besoin d'être Léviator pour faire bander, quoi. C'est vrai que Magikarp fait pas bander, hein. Ah, de base, pas du tout. On en parle pas beaucoup, mais il a un potentiel... comment dire, tricable d'excitation nul, nul, négatif. Pourtant, une carpe coil c'est très beau en vrai. Magikarp, on s'en cague. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Pourtant, une carpe coil, moi quand j'en vois comme ça, je les vois se faufiler là dans l'eau. Bon, je vais pas vous le cacher. Quelque part, c'est moustillant. C'est vrai que ce deck t'as bien résumé et j'adore, c'est des promesses. C'est écoute, toi il faut juste qu'on sache te parler, tu vois. En fait, ce deck, tu sais ce que c'est? C'est bien sûr, je te rappellerai. Et toi, tu te dis, tu passes une bonne nuit, du coup. Ah, tu fais, yes, super, ou une bonne journée. Il faut me rappeler, quoi. Et après, t'attends un peu et t'oublies. Tu fais, bon, bah tant pis. Quoi. Bon, mais sur le coup, c'était une super soirée. On regarde ce qu'il fait. C'est compliqué, là. Le... Bah là, s'il a explosé, on a perdu. Il met combien? Le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il met 10 fois. Non, moins 4. Il met 30 moins 8. Il met 22. On n'est pas mort. Bah si, on a 21. Mais non, on fait même prix de Raska sur notre token. Oh, mais c'est le pire play, gros. J'ai pas envie de faire ça, quoi. Mais je le ferai, moi. Tu me laisseras souris, ça me dérange pas, moi. Juste pour dire au mec, tiens, non, on n'est pas mort. Oui, j'avoue. Surtout qu'en plus, si il grid, il le fait juste pile à 21. Et ben paf, pastèque. Mais il est en train de le faire, là. Il prépare, gros. Là, il a ton conquis, il se dit, bah, pourquoi il reste là? On va continuer. Moi, je te dis, hein. On le fait. Chaque fois, vous lancez un sort depuis votre main. Ah, du coup, on va encore pouvoir trigger avec mes prix de Vasca. C'est bien. C'est bien, ça. Oh, il le fait à 21 piles, en plus. Alors qu'il avait encore un mana. Quel zozo. Comme ça, il aspect le pire sans main. Comme ça, il aspect le pire, putain. Le pire gars. Allez. Oui. Oui, oui, je suis sûr. Ça peut paraître bizarre. Mais je sais. Je sais ce que je fais. Attends, il y a un autre plan où on tue plutôt Karn. Mais de toute façon, le token sera nul. Il vaut mieux garder Karn. Ah oui, c'est vrai, le token va devenir nul. Et ouais, ouais, je suis con. Il sera de catégorie 0. Il sera nul à Yesh, quoi. Trigger. Qu'on se le dise. Là, on va rien trouver. Oh, Druides. Oh. Oh. C'est pas fini. Mec, il est extrêmement déçu, là, de ce qui se passe en Kivox. Ouais. Là, il se dit, merde. Il a choc. Oh, s'il a choc, c'est le pire gars. Ah ouais, mais il a sûrement un choc là-dedans. Oh, il l'a fait sur lui, gros. Il est... Non. Merde. Mais non. Non. Mais gros, on avait peut-être gagné. Merde. T'inquiète. On n'a aucune interaction. Oublie que donc, t'as aucune chance. Fonce, sur un malentendu, ça peut marcher. Tout ce qu'il va poser, on va perdre, quoi. On va pas le gérer. Oui. Donc ça, c'est donc jusqu'à faut, la fin de la partie. Plus gros. Et tu peux pas, il va contrer. Enfin, c'est ingagnable. Oui. Oui. Après, ses spell pierce, pour être poli, il peut se les foutre au cul. Anecdote sur mon enfant de voisin du dessus. Mon enfant de nous voisin. Avons intitulé Jérémy, sans savoir quel est son prénom. Faudrait qu'on demande il un se faisait... Non, c'est mieux de l'appeler Jérémy. Il faisait que crier, mais vraiment il criait. J'ai l'impression qu'il était à côté de moi, qu'il était dans mon dos. Et son père arrive pour l'engueuler. Dans le décor. En mode oh, c'est fini! Et je crois qu'il a shooté dedans, dans l'enfant. Parce que tout de suite après, il a fait oh, pardon, ça va! Et je ne rigole pas de la souffrance de cet enfant, mais ça m'a fait tellement rire l'enchaînement de waouh! Et le père qui fait oh! Et après, qui fait merde, ça va? Ruby! Et l'enfant qui avait changé, il était pas en mode waouh! Il était en mode bah! Il s'était pris une sauce. Il l'a peut-être jeté par la fenêtre. Oh merde! Arrête-toi! Mince! J'en ai qu'un! Quand il a vu la masse informe en bas, des trois étages. Ah, un peu d'humour noir, ça fait quand même. Ça fait rire. C'est quand même rigolo, quoi. Je suis d'accord avec toi en fait, la ZAF, c'est mieux, ça va nous faire surveiller. Ça va vous faire surveiller notre plan de jeu. Et c'est notre boulot de surveiller. Exactement. C'est notre vrai boulot en plus. C'est fou. Hein. On est là, on surveille. Bon, en vrai, on surveille pas, on assiste, on aide. On veille. On veille. On veille. Surveille pas, on veille. On veille au grain. Voilà, tous les petits lycéens sont des grains. Bon, des fois, je suis au sommet du bâtiment E, tu vois. J'ai ma cape comme ça et je regarde, je fais, c'est une bonne course. T'es un peu Batman, quelque part. Ouais. Ouais, je saute pas, hein, sinon je meurs. Mais... C'est de la merde.
On n'a pas du tout les mêmes mains avec ce. Franchement, tu la gardes, t'es payé. Non, je te non, le signe. Bah, jamais. Je te le signe, tu la gardes, t'es payé. Si je top deck pas land, tu es pas payé, hein, tu le sais. On leur fera une petite. Mec, si je top deck pas land, je nourris pas ma famille à la fin du payé mois. Payé de fou. Sûr. Comment je paye mon loyer, gros? Si j'ai pas de land. C'est là, dessinateur de Domri. Non, j'en ai marre de tenter d'être payé et tout. De pas être payé. C'est sûr. Si je suis pas payé, si je top deck pas mon land pour faire marcheur T2, mmh, je la concède et on relance. Ok. Ok. T'as deux draws. Hein. Ouais, j'ai deux draws. T'inquiète. Comme Marilyn. Marilyn de draw. Yes! Yes! Tu vois, t'es payé. Bim! Tu gardes à 7, le mec il concède. Pour pouvoir nourrir mes gosses. Yes! Il s'appelle comment? Carl. Il s'appelle tous Carl. Tous. Je suis pas très imaginatif. Ouais. Donc. Carl 1, Carl 2. On a le droit d'être véhément sur des anciens adversaires, vu que ce sont juste des pseudos et des gens numériques, on a le droit de s'énerver? Non. Des gens? Non? On peut pas. On peut pas les mordre? Ça. Ah, tu peux aller les mordre, ouais, mais. Faut y aller, quoi. J'aime bien, par contre, que Jérémy joue avec des boulons. Ce sera mécano plus tard, je pense. Genre, son père a acheté un meuble Ikea. Ouais. Il est en train de le monter, mais il le laisse jouer avec le sachet de vis. Ouais, ouais. Il dit, tiens, tu peux les avaler si tu veux. Je vais garder cette main, Val. Ça a tué Val, cette vanne, apparemment. Ça part en couille. La fatigue, pardonnez-moi. Ouh. Tu vois, en mode s'il faisait heal et que sur notre clairon on avait spell pierce, j'allais de ce pas dans ta cuisine chercher du bon sel de Guérande de la baleine. J'ai du bon sel. Hein. Et je me le mettais pas dans la bouche. Hein. Les gens attendent, hein, dans les yeux. Hein. Apôtre du crépuscule. C'est quoi? C'est. Ah, c'est lui. C'est lui. Il est apôtre du crépuscule. Ok, d'accord. Les vampires et clercs. Donc il y en a 11 autres. Et je ne connais pas la religion vampirale. Donc. je pense que. Ils sont chrétiens, j'imagine, les vampires. Je sais pas, les croix, tout ça. En même temps, ils aiment pas trop. Oui, ils aiment pas. Mais ils en font partie. Voilà. Forcément, s'ils réagissent. C'est ça. Voilà. Si tu réagis à quelque chose, forcément, il y a ouais, quelque chose qui se passe. Ouais, il y a un lien. Ils sont liés à ça. Tu peux pas juste voilà. Ne pas aimer. Ouais. Par plaisir de ne pas aimer. Si la croix chrétienne te gêne, c'est que t'es quand même dans ce folklore, tu vois. Oui, oui. Ah, il voilà. y a eu un problème à un moment donné avec l'église. Sur les vampires ont eu un problème avec l'église? Peut-être, hein. C'est un désaccord. Ils oui, sont séparés, on n'aime pas notre pape, pas cool les décisions qu'il fait, il n'y a pas la bonne parole. Les gens ont dit, bah, cassez-vous. Et bah, du coup, on va aller dans les grottes. Et bah, on va sucer du sang, voilà. Et ils se sont mis à faire ça. T'imagines, ils étaient dû, fous. T'imagines s'ils avaient décidé de sucer autre chose? Du lait, bah, ça aurait pas été très effrayant. Là, normalement, il devrait faire frappe du sorcier sur la druidesse. Il fait frenzy et tu prends un ticket pour le cirque Pinder. Bonjour, j'aimerais les attractions. Ah, t'es sûr? C'est pas très drôle, pas hein. Il n'y a pas de clown hein, dans ce cirque. Les clowns, ils ont des haches. Ouais. Ils font du lancer de haches? Ah ouais, mais c'est sur le public, donc bon. Il lance dans le tas, quoi. Faut esquiver, quoi. Du coup, c'est quoi l'attraction? C'est quoi le but? Bah, c'est un cirque des horreurs. Tu te sens vivant, en fait. Ouais, genre, tu sors de là, t'es heureux. Si tu sors de là, tu te dis yes! Yes! Et encore, faut sortir en courant, hein, parce qu'ils te suivent. Le pire cirque ever, quoi. Dans mon rôle de cette histoire, ne pas piloter. Sans me profiter d'un un fromage? Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Du gouda. Du bon gouda. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, ça n'a rien à voir, que le mot gouda est vraiment pas noble du tout? Ah, mais pas du tout. Genre, c'est pas sexy. Premier rendez-vous avec une jeune fille. Exemple, vous la ramenez chez vous, ça se passe bien. Vous lui dites en mode, pour le dessert, je t'offre un peu de comté, un peu de caprice des dieux, oui. Un peu de, je sais pas, n'importe. Camembert. Par contre, un peu de camembert. Par contre, vous lui dites, ouais, j'ai du gouda. Du gouda? Tu veux du gouda? C'est genre, est-ce que tu veux des croûtes de mes pieds? Tu vois? Tu veux du gouda ou pas? Sur le cumin. C'est vrai tellement, que... tellement gênant, je trouve, ce nom. Pas sexy. Non, pas du tout. Mais c'est ah très ben, bon. Elle s'en va, hein. Ah oui, au mot gouda, c'est le signal. Elle se dit, ah ouais, lui il est dégueu. C'est pas pourquoi. Ah, alors que c'est bon le gouda, on en a mangé hier soir, c'est pour ça c'est qu'on s'est moqué bon, de ça, gouda. Tu vois. Faire ça. Oh, un petit effacement des pensées. Et donc le film se passe bien et tout, on respecte la séance, on parle pas, enfin personne parle, c'est très bien. On enlève trophée. Ouais, parce que ça je m'en fous. Bah ouais. Et je veux un cinquième land pour ça. Pardon. Donc c'est bien. Pas chiant. Et à la fin. On regarde un petit peu le générique pour voir les voix de tous les persos, etc. Et il y avait Jamel Debbouze, encore une fois. Il est partout.
qui jouait le petit poussin, justement, très important, qui joue le petit poussin. Excusez-moi, Jojo, je dois être extrêmement concentré. Voilà, faut que j'y mette le 4. C'est bon. Il joue donc le petit poussin. Et quand on sort, on voit que le mec, il nous regarde un peu en mode, comme s'il voulait nous demander un truc. Mais j'ai pas pensé que c'était un abonné ou quoi, tu vois, je me suis dit, bah, je sais ah, pas. Ah, donc tu viens de teaser, c'est un abonné. Non, non. Ah. Et c'est pas un abonné du tout. Et on sort, et à la double porte, en fait, il nous attend. Et il fait, excuse-moi le petit poussin. Et il s'arrête là. Donc je pensais qu'il m'avait appelé le petit poussin sur le coup. Je fais, écoute, on n'est pas assez proche, mais ça ne me dérange pas. Il me dit, il avait pas trop la voix de Jamel Debbouze. Et je lui dis, bah si, c'était la voix de Jamel Debbouze. Il me dit, ah ok, c'est pour ça. Et voilà. Tu vois, avec notre ami Karn qui a eu un problème de... De fuite. Exactement. Ça a fuité sous le panier. Et Vivien qui est visiblement ça, dégoûté. Du coup, ça se voit. Hein. Ouais. Si tu fuites sous le pagne, tu peux pas le garder pour toi, quoi. Ça se voit et ça se sent. Oui, Vivien a l'air dégoûtée en face, donc je suppose qu'elle est. Elle est au courant, elle a vu. Elle. Ça confirme. Ah, oh, tu me dégoûtes, Karl. Lui, il fait je peux faire exprès. Je suis sûr qu'il est en mode bah quoi. Et gros, ça se fait pas, quoi. Non, il est fait de métal, peut-être qu'il sent pas. Hein.